Alors, bienvenue dans notre nouvelle enquête. Sur NJT. Alors, on revient sur les lieux du bunker. Maintenant qu'on a du matériel, on vient chercher des réponses pour savoir si vraiment il y a quelque chose ou pas. Bon, bah, on va s'avancer tout doucement. De toute façon, ils ne sont pas que deux. Hein. Ouais. Alors, ils sont, on n'est pas que deux. Il y a... Nous sommes à trois. Il y a Jason avec nous. Il y a, je on sais voit pas spécialement si bien, je ouais, pense. Voilà, c'est ça en fait. Je ne sais pas si on te voit. Ouais, il est là, c'est bon. Voilà. Très bien. Donc, nous sommes trois, hein, les trois enquêteurs, NJT. Il y en a un des trois qui sont rentrés à vélo pour tenir le matériel. Je ne suis pas dessus, toi. Donc, bah, nous revoilà revenus sur les lieux du bunker. Donc, on vous dit à tout de suite, on avance un petit peu et puis. Tout ce qui est bien avec. Caméra active, donc on y va. Voilà, c'est moi. Voilà. Bah ouais. Vas-y. Tu peux parler, c'est quoi Roro? Non, il dit qu'il peut la ranger sa lampe sur son vélo. Ah, pour le moment, ouais. Mais on avance. Ok. Donc pour une fois, on est venu avant qu'il fasse noir, donc il fait très clair. Oui, parce qu'on va faire deux lieux ce soir. Ouais, j'allais dire deux cette lieux. Nuit, enfin, en quelque sorte, c'est pas une cette nuit. Et là, quoi, on a préféré commencer par. Bien Lilou, moi. Hein. On a pris la chaîne avec nous. Voilà. Pour certains abonnés qui nous suivent, qui nous ont demandé justement s'il y avait des réactions par rapport à la chaîne, au moins on pourra juger ce soir. Et puis ben voilà quoi, on va bientôt arriver. Donc on longe aussi un canal. Ouais, donc là, à côté il y a un canal, donc parfois il y aura peut-être des bruits niveau poissons qui peuvent sauter. Ouais, surtout ça. Excusez-nous pour la mauvaise qualité au niveau de la fiscale, hein, mais on se sert la portable. Des chiens aussi. Un chien. Bah tiens. Pas grave. Lilou qui n'en a rien à secouer. Lilou pour le moment qui ressent rien du tout, la chienne. Ouais. On arrive au bunker justement. Bon, par contre, Lilou... Après, on va l'attacher la quelque part pour être un petit peu peinard. Comme ça, on pourra continuer l'enquête tranquillement. Ouais. On vous quitte quelques secondes le temps d'attacher la chienne et on revient de suite. Je coupe aussi ici. Ouais. Nous voilà arrivés sur les lieux. Alors, le bunker, il est juste derrière nous. Alors, on va commencer par une petite séance de cadeaux, peut-être. Ouais. Je pense, Jean. Bah justement, je l'allumais, donc je suis prêt pour la séance. Alors, il ne fait pas encore tout à fait noir, hein. On a deux lieux à faire. Le cadeau, il a réagi. C'est vrai? Ouais. Il y a eu une pointe verte. Enfin, il y a eu... Est-ce que tu as vu quelque chose, Jason? C'est pourquoi le temps tel? Parce que pour les enregistrements. Alors, je vous fais j'ai voir déjà enregistré. Est-ce que tu vois le K2 sur la caméra? Ouais. J'ai fait en sorte, attends, je vais vous laisser un petit décalage. Là, je vais pas le mettre en fait, je vais recommencer tout zéro, je couperai celle des parties. Ok, ça marche. Bah pour l'enregistrement aussi. Là, c'est ok. Au pire, ce que tu peux faire, si t'as pas envie de t'embêter. Là, je couperai ça. Tu bon, peux le poser sur le vélo si tu veux. Non, t'inquiète, je le garde à la main. Comme ça, moi, je le vois aussi. Mais toi, tu le vois bien à la caméra là? Ah bah là, je l'ai très bien à la caméra. Tu peux même le poser à côté de toi si tu veux. Je peux le poser là? Non, là je vois plus rien. Faut qu'il soit un peu. Là où il y a Lilou. Bah, Lilou elle est là. Ah bah là tu peux le poser. Parfait, c'est bon. Ok. Alors, bonsoir. Vous voilà arrivés sur les lieux de l'enquête. Nous sommes revenus au bunker. Avec de l'équipement, bien entendu. En espérant avoir des résultats. Il n'y a plus personne qui parle, mis à part moi. Bizarrement. Non, alors, c'est fait exprès. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? On va commencer par le K2. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez venir vous approcher et toucher cet appareil que je tiens dans la main? Petite réaction.
difficile de clignoter. Est-ce que vous pouvez... Ah oui. Merci beaucoup. Merci. Merci pour la réaction. Merci. Tu l'as vu ? Si vous voulez... Je vois la lumière, mais ça, on voit pas que ça bouge. Si vous voulez, vous pouvez le toucher autant que vous voudrez. Vous pouvez le toucher autant que vous voudrez. Et même essayer de faire monter les lumières. Merde, j'ai aussi... Bon, en tout cas, si tu as un moment où tu veux le lâcher, tu peux le mettre sur le vélo, sur la selle, si tu veux. Merci. N'hésitez pas, allez-y. Donc vous êtes bien avec nous. C'est la première fois que le K2 réagit. Ouais, c'est la première fois. Depuis tant qu'on l'a, c'est la toute première fois qu'il réagit. Enfin non, il a réagi à la maison, mais hors caméra malheureusement. Et là, c'est la première fois qu'il réagit dehors la caméra. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher de cet appareil que je tiens dans la main, s'il vous plaît? Le toucher, s'il vous plaît. Il suffit juste de poser votre main. Bon, ça c'est peut-être moi. Non, pas possible. Ça réagit pas... Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît, simplement pour confirmer. C'est super parce que c'est la première fois, moi, personnellement, okay, que je te dis que t'es... Est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît? Je me prends tout dans la tronche. Merci. Merci beaucoup. C'est pas dit qu'on le voit à la caméra. Si, si, t'inquiète, moi. De toute façon, on le verra sur la face cam. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une séance de Spirit Box? Comme ça, cette petite machine que j'ai dans la main. Est-ce que ça vous dit d'essayer de rentrer en contact avec nous, s'il vous plaît? Faites clignoter cet appareil que tu as dans cette main. Si ça vous intéresse de parler dans cette machine que tu as dans l'autre main. On vous entendra en direct, hein. N'ayez pas peur, ça ne vous fera aucun mal. Ce ne sont pas des objets de guerre. Je sais très bien que vous êtes là. Merci. Donc je peux allumer, vous pouvez confirmer s'il vous plaît en refaisant clignoter cet appareil. Elle fait bouger mon vélo. À savoir qu'on n'a pas du tout de téléphone portable sur nous. Il est éteint mon téléphone. Enfin, ouais. Si, les jeunes, ils ont leur téléphone, mais non, toi, tu l'as pas déjà de toute manière. Il est éteint. Lui, il me l'a refilé, mais il est éteint. Et toi, il est en mode avion? Ouais, comme d'hab. Ok. Donc, voilà. Je sais pas s'il y a du bruit, à mon avis. Confirmez-nous, s'il vous plaît, de... Ok. Bon, ben, je mets la machine en route. Vous pouvez faire recliniter la première fois, encore une fois, s'il vous plaît. Merci. On voit rien à la caméra. Tu vois rien? Si, si, là, si, t'inquiète. Allez-y, parlez dans cette machine. On vous en... Merci. Parlez dans cette machine. Servez-vous de cette machine pour parler avec nous. Déjà, dites-nous bonsoir. 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 Pourriez-vous vous manifester dans cette machine, s'il vous plaît?
pas compris. Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Pourriez-vous nous parler par rapport à cette box là que je tiens dans la main, cette petite boîte noire? Et si vous préférez le K2, bah faites clignoter le K2. Comme vous faites depuis tout à l'heure. Ah, il préfère le K2. Vous pouvez confirmer que vous préférez communiquer par le K2, la boîte que je tiens dans la main gauche? Faites-le clignoter, s'il vous plaît. Il y a une phrase. D'accord. Vous voulez que je coupe la spirit box? L'autre machine qui fait du bruit? Faites clignoter, s'il vous plaît, Sylvie. T'as entendu? Oui, non. Ouais, de toute façon, il faut l'éteindre. Bon, je l'ai coupé. Vous voulez que je me lève, peut-être? Faites clignoter, si oui. Oui. D'accord. Ah ouais, deux fois. Regarde. Oh, tiens. Putain. C'est au moment où tu regardais pas qu'il... Ouais, mais c'est pas grave. Il s'est excité. C'est filmé sur... Ouais, de toute façon, ouais. Regarde encore, là. Résultat, pas... C'est bien, je suis contente. Ah merde. Ouais, parce que j'ai accroché aussi, c'est le... C'est bon. Est-ce que vous êtes... Il va dire quelque chose. Tu l'as mise où, attends? Je l'ai dans la main. C'est toi qui as tiré sur la machine? Enfin, sur le truc? C'est moi, c'est parce que j'ai accroché le micro dessus. D'accord. Pour que tu aies plus de portée au niveau. C'est la Alors, je vous dis franchement, les gens, c'est la première fois que je le vois se déclencher. C'est vrai que c'est une première fois. Et là, je suis un petit peu plus ou moins avec... Je le sentais de toute façon qu'il y avait quelque chose ici. Mais oui, quand même. Puis, alors, bizarrement. S'il vous plaît, arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci, on sait que vous êtes là. Ne touchez plus à l'appareil, s'il vous plaît. Éloignez-vous. Merci, s'il vous plaît. Oui. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez besoin... Non, s'il vous plaît, arrêtez, merci. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez besoin de quelque chose? Faites... Attends. Faites clignoter. Ouais. Ouais. Ouais, s'ils ont besoin de quelque chose. Dans ces cas-là, est-ce que ça vous dérange qu'on rallume la boîte que Jean tient dans la main pour que vous puissiez nous dire? Aujourd'hui. Ouais. C'est super gentil, mais arrêtez s'il vous plaît. Éloignez-vous 2 minutes. Merci. Est-ce que vous voulez qu'on rallume la boîte pour que vous puissiez vous exprimer à l'intérieur de cette boîte? Ouais. Ils ont besoin de quelque chose en urgence. Attends, votre volume. Ouais. Si c'est le cas, faites monter au moins jusqu'au roux, s'il vous plaît. C'est ce que j'avais demandé. Si vous voulez vraiment parler dans la boîte que Jean tient dans la main, faites monter jusqu'au roux, s'il vous plaît. Ou si du moins vous avez besoin d'aide. Mettez-y plus d'énergie maintenant. Je tremble. Tu veux que je le prenne? Non, mais je tremble en fait. C'est parce que ça me fait halluciner. Je vous remercie beaucoup, mais s'il vous plaît, éloignez-vous. Je comprends très bien que vous êtes beaucoup de toute manière, je le ressens très bien. Vous êtes beaucoup, oh oui, vous êtes beaucoup à vous. Vous êtes en train de, putain, ils sont en train de se bousculer. Mais éloignez-vous s'il vous plaît 2 minutes pour qu'on puisse avoir une réponse concrète, s'il vous plaît. Tu vois toi la caméra?
Bah non, tu fais les là-bas. Tu vois là? On voit que ça clignote. Ah, bah ouais, le cadeau il réagit bien. Ouais, là on voit bien, là, on voit très bien. Oh bah l'œil s'arrête plus. Hein. Si vous voulez pas vous éloigner? Sinon, on redémarre le K2 peut-être. Ouais, au cas où. On va redémarrer le K2, on sera sûr. Alors, on redémarre. Si après, on redémarre. Ouais. Hop, c'est reparti. Ah, ça recommence. Ah, donc c'est. C'est qu'il y a bien quelqu'un. C'est sûr, Jean, faites-le aller dans le rouge. Allez jusqu'au rouge, s'il vous plaît. Allez jusqu'au bout que la lumière elle peut aller. Tantôt, on ne voit plus du tout. Jusqu'au rouge pour qu'on puisse. Si vous voulez parler dans la boîte que Jean tient dans la main, allez jusqu'au rouge, s'il vous plaît. Je vais aller jusqu'au quatrième déjà. Pendant un court instant. Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, arrêter? Parfait. Un Guillaume. Hein? Un Jean, c'est parfait. Ah ouais, pas bête. Est-ce que vous pourriez arrêter, s'il vous plaît? Tous les téléphones, ils sont en mode avion, c'est pas logique. Moi, je vais pouvoir arrêter, du coup. Du coup, ouais. Mais de toute manière, ça peut pas être les téléphones. Moi, je m'en sers en face cam. Ouais. Et je suis choquée parce que c'est la première fois que je vois. C'est pour ça que je vais peut-être essayer de faire un test. Prends ça deux secondes. Bon, est-ce qu'on va rallumer la spirit? Non, c'était plus éloigner le K2 de toi. Mais... Ah, c'est pour ça que j'ai fait le test. Non, c'est moi qui tiens. Non, mais c'est au cas où ce serait le téléphone, justement. Mais ça peut pas être le téléphone. Ah, attends, il est beaucoup trop loin. Et... Par contre, tire pas de trop. Hein, c'est pas le téléphone, ça change rien. Ouais. Ça change rien. On va rallumer la spirit. Mais... Bah, moi aussi, mais ça n'a jamais réagi. Si vous voulez qu'on allume la spirit box, faites-le aller jusqu'au rouge. Est-ce que vous voulez qu'on allume cet appareil que je tiens moi-même dans la main? Si vous voulez vraiment que je tienne l'appareil et que je l'allume, déclenchez le K2 jusqu'au bout. S'il vous plaît. Que ça fasse le plein de lumière. Jusqu'au rouge, s'il vous plaît. Touchez-le tous en même temps si vous voulez. Je suis bon. Mais je vois. Non. Ça demande beaucoup d'efforts. Ouais. Du coup, la caméra, par contre, n'est plus fixée vers moi. Je la bouge un peu. On va jusqu'à l'orage. Continuez, s'il vous plaît, encore un petit effort. C'est bon, c'est fixé vers nous. Oui. Encore un petit effort, s'il vous plaît. Je peux plus d'accord. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on allume la spirit, la boîte noire que Jean tient dans ses mains, s'il vous plaît? Allez jusqu'au rouge. Vous êtes monté jusqu'à l'orange, vous saurez monter jusqu'au rouge. De toute manière, je vous vois, je sais que vous êtes là et je sais que vous voulez. D'accord. Ouais, je vais la rallumer. On allume la boîte noire. Vous pouvez toujours vous servir de cette boîte. Hein. Allez-y, exprimez-vous dans cette boîte. Est-ce qu'on pourra avoir un prénom, s'il vous plaît? Appareil, s'il vous plaît. Servez-vous de l'appareil que Jean tient dans ses mains. S'il vous plaît. Venez par ici. Oui. Allez-y, n'hésitez pas. Parlez-nous avec cet appareil que je tiens dans les mains. Servez-vous des ondes. Vous pouvez puiser dans notre énergie. Est-ce que c'est les soldats qui se sont moqués de nous la dernière fois parce qu'on n'avait pas de matériel pour vous parler? Ya. Yeah. Ya. Yeah.
Vous êtes allemand alors? Oh, ça s'affole. Est-ce la source de chaleur, ouais. Là. Est-ce que ça vous dérange qu'on soit là? Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille? Ah oui, forcément, si ça les dérange. Non. Ça dit non? Laissez tout remplir. Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Je vais retirer la lumière parce qu'on voit, on va. Tu l'as bien avec la cam? Ouais, t'inquiète. Est-ce qu'il y a que des soldats? Est-ce qu'il y a uniquement des soldats ici? Non. Vous êtes des victimes? Oui. Ah oui. Un petit oui, un beau oui, pardon. Un beau oui. Si vous êtes français, je vous remercie justement pour la liberté que vous... Eh ben, ce sont des Allemands et des Français, il y a les deux. Bah pour les Français, je m'exprime aux Français. Je vous remercie pour la liberté que vous nous avez offert. De rien. C'est absolument... Mais c'est... Sachez que c'est quand même grâce à vous si on en est là aujourd'hui. Est-ce que vous en êtes conscient? Franchement, les gens, c'est hallucinant. C'est la première fois que je vois le câble s'agiter. Et on a redémarré pourtant. Ouais. Alors, si on n'entend pas, là, je vais faire un petit récapitulatif pour la caméra. Pour la caméra principale, il y a bel et bien. Non, c'est pour faire un récapitulatif, justement, de ce que vous entendez. Je rallume. En fait, il y a des soldats ici. Et on les a remerciés justement de... C'est grâce à vous que la France est restée la France. Voilà, c'est comme vous on a le dire. Et nous a répondu... On les a remerciés et ils ont répondu de rien. Voilà, tout simplement. Oui, ils savent que... Donc apparemment, il y aurait des victimes ici aussi. J'ai entendu quelque chose. Est-ce qu'il y a une famille ici? Deuxième, j'ai entendu une... Vous pouvez répéter, c'est pas très précis. On est cadré? Ah oui. C'est le cadeau qui reste quoi de l'apparence. Si, mais quoi. Okay, justement, tu sais pas. Juste à côté de moi, je sais pas si tu l'as remarqué. Je ferai dans les roches. Est-ce que vous avez des... Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle des gueules cassées? Est-ce que vous avez des visages... Votre visage, est-ce qu'il a été détruit? Oh, ça m'a soufflé dans les oreilles. Est-ce que c'est vous qui me soufflez dans les oreilles? C'est horrible. Oui, il y en a ouais, combien êtes-vous? Donc on a énormément de réponses, hein. Je dis ça pour la caméra, on a énormément de réponses. J'ai compris deux. Ouais, moi aussi j'ai compris deux. Mais ils sont pas deux. Hein. Non, c'est pas deux. Est-ce que c'est bien vous que je vois? Quand j'avais dit que j'avais vu des visages monstrueux, enfin désolé si c'est vous par contre, est-ce que c'était bel et bien vous? Des visages à la chair déchirée par exemple. Je sais pas comment décrire ça, mais vous êtes en fait. Les photos. Ouais, faut prendre des photos maintenant. Est-ce que ça vous dérange? Ça vous dérange si on vous prend en photo ou pas? Pas compris. Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? What? Wow. Dieu,
c'est quoi ce cri? C'est vous qui venez de crier? On s'arrête là, on va. Avance. C'est qui remplit le temps prochain? C'est vrai? C'est vous qui faites bouger l'eau? C'est vous qu'on vient d'entendre crier au loin. Il y a de la musique aussi. Ouais, après il faut faire le tri. Hein. Ouais, le cadeau, j'hallucine. Excusez-moi, mais j'hallucine dans le cadeau. Bah, c'est quoi? Un message. Bon, moi je vais m'accoter de la caméra pour dire un quelque chose en arrière. Je vais m'accoter de la caméra pour dire un quelque chose en arrière. On va vous prendre en photo. Il y a Jason qui va vous prendre en photo. Il va porter jusque 3. Est-ce que vous pourriez vous mettre devant l'appareil, s'il vous plaît? Tu comptes jusque 3? Jean. 1. Il s'est éteint. 1. 2. 3. Ouais, bon, il y a sûrement des poissons après. Hein. Non, ça c'est vrai, c'est courant. Ouais, il y a des poissons, mais j'ai pas entendu que ça. Non, mais ça c'est courant. Bon, remets-le. Hein. Putain, c'est chelou. Beaucoup d'agitation. Ouais, là j'avoue que c'est chelou quand même. Mais bon. Beaucoup d'agitation quand même au niveau des animaux. Ouais. Bon, par contre, remets le truc, j'aimerais bien poser une question. Vas-y. Attends. Ah ouais, mais. Attends. Alors, je voudrais vous poser une question. Est-ce que c'est vous qui agitez comme ça les animaux? Est-ce que vous pourriez arrêter cet appareil, s'il vous plaît? Bon, je prends une photo. Hein. Je prends l'arbre. Celui qui est juste devant moi. Photo numéro 2. Photo numéro 2. 1, 2, 3. Parler. Ouais, il y a genre deux traces. Une trace de chaque côté. De la photo. Comme un truc. Est-ce que c'est vous que j'ai vu dans l'appareil photo? Ça fait quoi, une traînée? Ça fait une genre de traînée vers le bas. Est-ce que c'est vous qui avez fait la traînée sur la photo? Parce que là je vous ai vu hein, dans ce cas-là. Je vais peut-être encore me répéter, mais combien êtes-vous ici, s'il vous plaît? Il arrête pas de s'éteindre l'appareil. Il arrête pas de se le prendre. Non, mais ça, je vais faire quelque chose, il s'éteint l'appareil. Ouais, je m'en veille. Ouais. Est-ce que vous voulez que je prenne le deuxième? C'est pas possible, je suis sûr que vous êtes plus. Dites-nous la vérité, s'il vous plaît, combien êtes-vous? Est-ce qu'on voit qu'il y a deux dans la caméra, Jason? Ouais, t'inquiète. Est-ce que vous voulez que je prenne le deuxième bunker d'en face, en photo? Ouais, vas-y, prends le deuxième. Bon, bah dans ce cas-là, s'il y en a par là, donc s'il y en a en face, mettez-vous justement en face de l'autre côté de la rivière, enfin du lac. Donc je prends le deuxième bunker. Photo 3. 1, 2, 3. Oh putain. Et prends celui-ci aussi. On va pas. Prends celui-ci aussi. Celui-ci ou quoi? Vous touchez plus le cadeau? Ah, c'est lui. Il est qu'avec la on dirait. Bah ouais, mais écoute, si c'est moi qui ai la sélection, c'est moi la médium aussi quelque part. Ouais. Pardon, je voulais pas le dire. Vous pourriez arrêter cet appareil, s'il vous plaît, et vous servir de l'appareil que Jean tient dans la main. On vous comprendra beaucoup mieux. Tu peux l'arrêter? Oui. J'arrête cet appareil. Servez-vous de l'appareil que Jean tient dans la main. Ça utilisera beaucoup moins d'efforts pour vous. Grosse voix, là. Ouais, j'ai pas compris ce que ça a dit. Non plus. Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Après, on est plus cadré, là. Bah ouais, mais vous bougez, puis je... Bah ouais, mais... Je peux pas tenir l'appareil, et puis...
On va se cadrer, c'est bon. Merci d'avoir... Arrêtez-vous de se servir de cet appareil. Bon, je vais prendre une photo derrière moi. Donc photo 4. Joue. 1, 2, 3, mettez-vous devant moi. Merci. Un orbe. Ça c'est clair. Il y a deux lumières là, mais ça je les compte pas, je pense. Non, mais il y en a une à peu près vers là. Qui n'a rien à faire comme un reflet. Est-ce que vous pourriez nous donner un nom, s'il vous plaît? Un nom de nous trois ou le vôtre? Donc je le rappelle, je m'appelle Jason. Est-ce que vous pourriez répéter mon prénom? Est-ce que vous êtes toujours en train de vous battre en fait? On va couper la spirite. On va couper 2 minutes. Ok. On a eu un petit ok à la fin, c'est bien. Par contre, le K2, il ne cesse de... Ah si, ça arrête en même temps. Bon, ça brille un de moins, par contre. Le... Alors, je vous assure que c'est la toute première fois qu'on a autant de résultats avec le K2. Je suis choqué. Moi aussi. Il s'est calmé, gamme. Ah, il s'est calmé une fois qu'on s'est arrêté. C'est là, ouais, mais là, attends, faut pas oublier. Il y a beaucoup de pêcheurs en ce moment. Ouais, je sais bien. Il y a beaucoup de pêcheurs en ce moment. Ouais. Alors, je sais pas, est-ce que vous. Peut-être vous reprenez des forces. Enfin, en tous les cas, c'est ce que je souhaite. Comme ça, peut-être on pourra recommencer après. On va attendre quelques minutes. On va peut-être faire une petite pause aussi pour eux. Ouais, on va faire une pause. Oui. On laissera la caméra tourner. Bah non, on va tout couper parce que. D'accord. On va fumer une cigarette et tout et tout. Ouais, ok. De manière, apparemment, regardez, ça s'est calmé. Ah mais ça. Bah non, ça se calme pas tant que ça en fait. Allez, recommence. Un petit peu légèrement. Ça clignote quand même. Ça marche bien par ici. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est des canards ou un truc dans le genre. Non, sinon on entend. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Ils sont dans le bunker en fait. Ah ouais, c'est à l'intérieur. C'est comme s'il y avait des coups de feu, tu sais, ça part en mitraillette. Écoutez les gens, je vous assure que je suis hyper heureuse. C'est la toute première fois que je vois clignoter cet appareil. Ça marche hein, par ici, je m'entends. Non, moi aussi. Bon, je vais arrêter cet appareil, on va faire une petite pause, on va vous laisser vous reposer. Ne vous inquiétez pas, on reste ici, hein, au cas où vous auriez peur justement. Ne vous inquiétez pas, on va rester un petit peu. On va pas rester trop longtemps. Et dans quelques minutes, on revient vous parler. Voilà. On est d'accord? Non, c'est celle qui bouge. Oh, excusez-moi, c'est la chaîne qui a bu. Ça fait flipper quand même. Oui, mais pas. Hein. Bon. On va stopper. Ce qui m'embête, c'est de couper comme ça alors qu'on a de superbes résultats. Bon, au pire, pendant qu'on fait la pause, on. S'ils sont encore là, ouais, ils veulent pas. Bon, au pire, pendant qu'on fait la pause, on laisse le K2 allumé. En tout cas, une chose est sûre, je pisserai pas ici. Pourquoi? Bah, je pisserai pas ici. On vous laisse, s'il vous plaît, vous pourriez arrêter. Ça sera pas respectueux. Gardez votre énergie, on revient dans quelques minutes. Bon, de toute façon, ils arrêteront pas tant que. Bon, je coupe l'enregistrement. A tout de suite! J'ai coupé, on se reprend tout de suite. A tout de suite. Alors, on vient de reprendre l'enquête. Faut toujours là. Et le K2, il recommence aussi sec. Alors, on pensait que c'était Parce que... Ah, c'est bon. Les bruits, on avait peur, mais en fait, c'est des poules d'eau qu'il y a. Ouais, c'est des poules d'eau.
Donc on va refaire une dernière séance de donc j'entends K2 la fou- et de Spirit. Reste là. Et après, ça faut, franchement, je vous assure les gens, je suis affolé parce que c'est la première fois que j'ai cet appareil pilote. Tu veux que prendre Milou? Je vais mettre Milou dans mon pied comme ça, je vais partir en bas. Ok, ça marche. La chienne, le temps qu'on a fait une pause, elle a sursauté, elle s'est affolée un petit peu. Donc on va savoir... je sais pas si c'est parce qu'elle a vu quelque chose, qu'elle a ressenti quelque chose. La spirite, elle est où? Ouais, mais le problème, allez, c'est là. Est-ce qu'on me voit bien par rapport à lumière? Toi, il faut que tu décales un peu vers... vers moi. Ouais, voilà, c'est bon. Éclaire-nous bien, alors. Ouais. Bon, on va recommencer, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes encore avec nous? Bah, lumière, apparemment, oui. Bon, moi, je vais rattacher Lilou. Est-ce que vous voulez continuer la conversation avec nous? Faites clignoter. Ça, oui. Est-ce que vous voulez qu'on rallume la machine que Jean tient dans les mains? Si oui, bah... Il lise dans les... Putain, c'est dingue. Il lise dans les pensées aussi. Bon, bah, je rallume. On va recommencer une dernière... Essayez de ne pas bousculer, s'il vous plaît, à la porte. Parce que vous êtes déjà en train de bousculer. Et essayez de pas faire peur au chien aussi. Oui, la chienne, elle a rien à voir avec notre enquête. Essayez d'être un peu discipliné, vous êtes des soldats. Chacun à votre tour. C'est vous qui nous apprenez la vie de toute manière. Et si vous avez besoin de quelque chose, on va rallumer la boîte que Jean tient dans la main dans quelques minutes. Et puis bah... Il y a des trucs derrière Ilou, elle arrête pas de regarder derrière. Non, bah non. Ouais, mais elle regarde des trucs, ça se voit. Ouais, si, elle regarde des trucs. Je vais vous faire voir. On va faire un moment du fait qu'on se concentre sur elle autant que peut. Ouais. Bon, on va redémarrer. Si ça vous dérange pas, on va redémarrer une séance de Spirit Box. Est-ce que vous voulez bien faire fluctuer le K2? Enfin, la machine que je tiens dans les mains, la petite boîte. Et aussi, si vous êtes toujours d'accord que je vous prenne en photo. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, refaites refluctuer le K2? Attends, j'enregistre au moins moi. Ouais. Mathieu. C'est un petit oui. Tu vois, enfin de bordel. Poldo. Vous pouvez monter un petit peu plus haut, s'il vous plaît, pour nous confirmer que vous voulez bien qu'on rallume la Spirit Box. D'accord. Ah oui. Bon, ok. On rallume. Alors, exprimez-vous bien. Parce qu'il faut aussi que je rallume là-bas. Non, mais... Exprimez-vous bien, et chacun à votre tour. Vous êtes des soldats, vous êtes disciplinés. Photo 5 ou 4? 5 ou 4, la photo. Non, là, c'est la 5, je crois. 5? Je prends derrière moi. Hein. Alors, on rallume la Spirit. Photo 5. N'hésitez pas à nous donner un prénom, s'il vous plaît. Que ce soit un prénom de vous ou un prénom de nous trois. Mettez-vous devant nous. On attend. Mettez-vous devant moi, je vous prends en photo pour ceux qui sont en train de faire la guerre. Jason est en train de. Je suis perturbé. Ah, moi aussi. Jason est en train d'essayer de vous prendre en photo. Voulez-vous vous manifester devant lui, s'il vous plaît? Juste là. Ah oui, je vais bien me mettre comme il faut, voilà. 1. Donc photo 5. Allez, s'il vous plaît. 1. 2. 3, allez-y. Ouais. Il y a beaucoup. À croire que c'est parti parce que ça a arrêté. Il y en a deux de ce côté là-bas. Bon, les bruits qu'on entend, c'est les poissons qui sont en train de frayer. Non, c'est des poules d'eau. C'est des poules d'eau ? Enfin bref. C'est... Bon, je rallume la Spirit Box ou pas ? Par contre, moi je vais prendre de l'eau parce que je commence à crever de soif. Ouais, bah dans mon sac. Je rallume. C'est parti alors. Allez, on rallume si. Et exprimez-vous bien. Est-ce que vous pourriez me donner un prénom, s'il vous plaît? Comment est-ce que vous vous appelez?
C'est vous qui m'avez fait, qui m'avez donné un mal de ventre tout à l'heure? Parce que j'ai plus mal. Est-ce que vous pourriez répéter ma question? Est-ce que c'est vous qui m'avez fait mal, enfin, qui avez fait en sorte que j'ai des bruits dans l'estomac? Ne vous inquiétez pas, je vous en veux pas. On est là pour vous aider. Pour vous comprendre. Comprenez alors, on est là pour vous comprendre. Ah bon. Je pense que ça dit d'accord. Pourriez répéter s'il vous plaît si vous avez bien compris ce que j'ai dit. On est là pour simplement comprendre ce que vous faites encore ici, dans ce monde. Arrêtez de toucher à mon dos, s'il vous plaît. Ça fait mal. Merci. Je vous en veux pas, hein, mais c'est douloureux. Vous pourriez essayer de... Pardon ? C'est à moi que vous parliez ? On est plus du tout dans la caméra en fait. Non, finalement. T'as compris. Est-ce que vous pourriez répéter s'il vous plaît? Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire, s'il vous plaît? Je vais vous prendre un photo pour ce soir. Aussi le bon cœur. Vous êtes là, vous pouvez. N'hésitez pas, manifestez-vous, je suis du bon cœur devant l'appareil photo. Jason, il va compter jusqu'au 3. Donc, photo 6. Photo 6, ouais. 1, 2, 3. Devant la lumière rouge. Avez-vous besoin de quelque chose? On est encore dans la caméra? Ouais. De quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous pourriez arrêter d'essayer de faire du mal à Jason? Et même à moi aussi, je commence à avoir des douleurs dans le dos. Pourquoi vous nous faites ça? On est là en ami. Vous êtes surpris qu'on soit revenu avec du matériel? Vous vous vengez peut-être? Faites pas les timides, on sait que vous êtes là. Ouais, prends une photo par là, s'il te plaît. Quelle arme? Là. Okay. Ouais. On vous dérange? On va pas rester longtemps. Bon, je prends une dernière photo, c'est ça? Ouais.
On prend une dernière photo, s'il vous plaît, manifestez-vous. Entre les deux arbres qui sont en face de moi. 1, 2, 3, devant la lumière rouge. Oh putain, il y en a plein. Oh putain, ouais. J'ai même vu au niveau du flash dans mes yeux, ouais. Il y en a plein. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Ah, vous étonnez pas si on commence à être un peu énervé contre vous ou vous nous faites mal? Pas pour autant qu'on vous fera du mal. Nous, on peut pas vous faire de mal. De toute manière, non. Même si on est énervé, même si on le voudrait, on pourrait pas. Dites-le clairement si vous voulez qu'on s'en aille. On range notre matériel et on s'en va tout de suite. Faites tourner cette case de jeu. La machine que je tiens dans la main jusqu'au rouge si vous voulez qu'on parte. Jusqu'au rouge. Jusqu'au rouge et on part. Est-ce que vous n'avez pas aimé que Jean urine dans un buisson près de vous? Vous n'avez pas apprécié? Un peu plus fort là, qu'est-ce qui se passe? Plus fort et plus hostile maintenant. Ouais, un peu plus hostile que quand on est arrivé. On vous énerve? Est-ce que c'est toujours... Il faut qu'on le sache. Est-ce que c'est toujours les mêmes personnes que tout à l'heure? Non, non, non. C'est la question qu'il faut poser à chaque fois. C'est des amants, mais je crois que c'est ce que j'ai déjà dit. Quoi? C'est ça, mais... Ouais, je comprends mieux. Est-ce que c'est vous qui nous faisiez les mauvaises expériences sur nous? Enfin, en votre temps, bien sûr, à l'époque. C'est comme ça qu'on a foncé une barre dans le dos, en fait. Moi aussi. Et les nazis, d'abord, ah, ben moi, j'ai pas pire, je commence à avoir des tournures maintenant. Bon. Eh ben écoutez, on va couper la Spirit Box. On vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir répondu à nos questions. Pour ceux qui étaient là. Et surtout, merci quand même pour vos réponses. On ne vous en veut pas. On vous dit au revoir. On ne vous en veut pas pour les douleurs. Hein. Allez. Au revoir. Au revoir. Bon, on va arrêter là parce que là, il y a Jean qui n'est pas bien. Jason n'est pas bien. Je commence même à... Donc là, c'est pire que des tourniols. On va arrêter. Et on va faire une pause avant de faire la deuxième enquête. Ouais. Alors, je vous dis à la prochaine enquête, parce que celle-ci, ce sera terminée ainsi. Du coup, on reste sur la face cam, il a coupé la caméra. Oui, sur la fin, je resterai que sur la face cam, ouais. C'est pas grave. Et moi, je peux pas rouler avec la caméra comme ça. Ah non, je prendrai la caméra. Tu peux dire au revoir quand même, comme ça, moi, je peux te dire au revoir, je suis pas sûr de voir. Alors, au revoir. Dis que t'as retrouvé. Donc j'ai ressenti comme si qu'on m'enfonçait des barres dans le dos. J'ai senti des brûlures d'estomac alors que je n'ai pas beaucoup mangé. Un peu pareil, je suis coincé là, j'ai l'impression d'être parti du dos. Et je me sens observé, mais comme si qu'on me regardait avec des yeux de quelqu'un qui est énervé. Faire voir, tu veux parler? Bah ouais, un petit peu. Que je dise quand même ce que je ressens. Vas-y. Moi personnellement, j'ai des tournioles. Tu me dis si tu vois mal. J'ai des tournioles, tournis, c'est pareil. Ouais, j'ai le tournis, on va dire ça. J'ai un mal de tête à claquer, c'est arrivé comme ça d'un coup. Et la grosse, c'est vous. Là, elle est toujours là. C'est vrai que ça fait plusieurs coups. Ouais. Alors j'ai toujours les tournioles comme tout à l'heure. J'ai un mal de tête et à des moments, j'arrive plus à tenir debout, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'avais l'impression qu'on me piquait mon énergie. J'avais l'impression qu'on me pompait. À partir du moment où ça a commencé à partir du moment où j'ai. Mais moi, le mal de ventre, ça a commencé. Je sais pas si on vous voit bien en fait. Non. C'est moi qui. Tiens, on voit pas très bien, mais. Ouais, bah t'as pas. On voit. Je ah, sérieux? Bon, lui, on le voit, mais pas moi. Ah, je suis pas bien. Bon, de toute manière, c'est pas difficile. Ouais, hein. Sur ce, écoutez, on va clôturer l'enquête. Voilà. Ouais, c'est pas la peine de rester plus longtemps. On vous dit à la prochaine. Sur ce.
Ciao. Tous les gens. Ciao tout le monde. Au revoir.